Et salut et bienvenue sur la chaîne C Squadra, nouvel essai complet de la toute nouvelle Benefactor, la Vorschlaghammer. Voilà, la nouvelle Benefactor qui vient de sortir, qui est vraiment magnifique. Beaucoup l'attendaient depuis qu'on l'avait vu sur les artworks de Rockstar. On l'avait remarqué et on l'attendait. Cette voiture, cette berline, puisqu'elle est en catégorie berline, c'est très bien d'étoffer un peu la catégorie berline de la part de Rockstar. Alors cette voiture, elle est évidemment, pour les connaisseurs et les passionnés, elle est inspirée de la Mercedes-Benz W124 à la base, bien sûr, mais surtout de la version AMG, la 300E qui était équipée d'un 5,6 litres, V8 de 5,6 litres de 360 chevaux à l'époque, et cette voiture était surnommée The Hammer, le marteau, aux États-Unis surtout on l'appelait comme ça, puisque c'était vraiment une des premières berlines surpuissantes. Il y avait déjà la M5 mais qui commençait à être vieillissante, la première M5. Là on était vraiment sur la première berline surpuissante capable d'atteindre les 300 km/h. Et cette voiture donc était fabriquée par AMG. À la base c'est une Mercedes-Benz bien sûr, mais à l'époque AMG était encore une entité indépendante. Du coup la voiture ne porte pas l'étoile de Mercedes-Benz, c'était uniquement une AMG puisque c'était un préparateur indépendant. Donc dans GTA on est très content d'avoir cette voiture. Elle est vraiment superbe, très bien inspirée. Alors d'origine, on a une calandre chromée qui n'est pas présente sur le modèle d'inspiration IRL puisqu'elle est full black. Donc moi, c'est le custom que j'ai fait, évidemment. Je ne pouvais pas faire autre chose. J'ai vraiment respecté la voiture à 100%. Les jantes d'origine sont vraiment superbes, très bien inspirées du modèle d'origine. Vous avez la possibilité de mettre aussi des petits ailerons qui ressemble vraiment au modèle d'inspiration. Après, il y a un petit aileron bizarre, tout petit, miniature, qui, je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est voulu de la part de Rockstar. Je ne sais pas ce que c'est que cet aileron, mais voilà, en tout cas, c'est assez bizarre. On reconnaît donc très bien la 300E de chez AMG. Il y a des petits éléments inspirés d'autres Mercedes. Les phares avec un petit décochement comme ça. Après, pas mal aussi de pièces peut-être, on va dire, sur le profil de la W201, la 190E. Enfin, ils ont pris un peu d'éléments de toutes les Mercedes de cette époque-là. Mais voilà, majoritairement, on la reconnaît très bien, la 300E AMG The Hammer. Donc d'ailleurs, dans le nom, ils ont mis Hammer aussi, Vorschlaghammer, ce qui rappelle vraiment le surnom de cette voiture. Pour les customs, on a donc, je disais, quand même pas mal de customs qui permettent de reproduire vraiment quasiment parfaitement la Hammer puisqu'elle est très bien inspirée. Vous avez même la petite barrette sur le montant arrière là, qui est la petite barrette à la base du montant arrière, la forme des feux, là, tout est vraiment bien inspiré. On reconnaît vraiment la voiture. Là, ils ont fait du très bon taf chez Rockstar, même l'intérieur. Je ne sais pas si cet intérieur, je l'ai déjà vu ou pas, j'arrive pas à savoir s'il a déjà été utilisé parce qu'il est vraiment bien inspiré d'une vieille Mercedes aussi. Donc peut-être c'est un intérieur unique, à vous de me dire. Je ne sais plus du tout si je l'ai déjà vu ou pas. Cette voiture donc bénéficie de l'amélioration HSW Drift. Attention, pas l'amélioration de performance. Là, on a uniquement l'amélioration drift qui permet de la transformer en drifteuse. Alors, ça va vous transformer un peu aussi l'esthétique de la voiture. Surtout l'intérieur, ça va changer le tableau de bord, les sièges, mettre tous des sièges en carbone, tout ça. Un peu comme dans les voitures de catégorie tuning. D'ailleurs, il y a quelques customs des voitures de catégorie tuning comme les masques de phare. Vous avez aussi deux grosses prises d'air sur le capot arrière qui vont s'ajouter lorsque vous débloquerai l'amélioration tuning. Pour en savoir plus sur le tuning, je vous conseille de regarder sur la chaîne la première vidéo que j'ai fait sur le drift, pardon, pas le tuning, sur le drift. Vous avez ma première vidéo, je vous ai fait un petit tuto sur le drift et je vous explique comment ça se passe au niveau des perfs sur les voitures de drift. C'est pour ça que je ne fais pas de classement puisqu'elles sont toutes à même niveau, on va dire. Ça va être vraiment selon votre feeling. Certains peuvent gagner avec une voiture ou perdre avec une autre. C'est pas du tout même la voiture qui rentre en compte sur les courses de drift. Ça va vraiment être au feeling votre voiture, celle qui vous plaît le plus. Donc une nouvelle drifteuse de plus dans le jeu, ça fait plaisir. Sinon, rien d'autre comme amélioration, hein. Pas de Imani Tech, pas de HSW en performance. Voilà, uniquement l'amélioration drift. Vous allez voir à la fin que niveau perf, c'est quand même une bonne petite surprise, cette Vorschlaghammer. Et petite chose aussi que j'ai oublié, cette voiture est gratuite pour les membres GTA+, ainsi que l'amélioration drift aussi qui est totalement gratuite, voilà, pour les membres GTA+. Bonne vidéo à tous, on se retrouve à la fin sur le circuit et sur les tableaux. Voilà le circuit d'essai avec notre Benefactor Vorschlaghammer. C'est assez dur à dire le nom à chaque fois. Donc cette voiture, elle a un manque quand même de relance. Le freinage est très bon. On a une voiture qui va quand même facilement glisser de l'arrière, hein, même si vous n'avez pas mis l'amélioration drift. Voilà, dû à sa configuration de drifteuse, elle a été faite pour être une drifteuse dans le jeu. Donc on a une voiture qui est en propulsion et qui est vraiment très joueuse de l'arrière. La VMAX est très bonne, voilà, fidèle au modèle IRL, hein, qui était une voiture très rapide. Le top 10 des berlines qui ne comprend pas l'amélioration HSW de performance, et on voit que on se fait une très belle 6e place. Donc on se fait un top 10 avec cette nouvelle Benefactor. Alors Benefactor, c'est un constructeur habitué du top 10. Si vous avez regardé ma vidéo de présentation constructeur sur le constructeur Benefactor, vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de voitures performantes dans la catégorie berline. Vous voyez la Shafter V12, hein, qui est la plus puissante d'ailleurs. Petit détail au sujet de la Shafter V12, je regrette vraiment qu'ils n'aient pas mis un son moteur de la V12 modifié sur cette Vorschlaghammer. Ça aurait été beaucoup mieux que le son de aspirateur qu'ils nous ont mis dessus. On voit aussi qu'on a quand même la Shafter, la Glendale Custom, hein, qui sont aussi dans le top 10. Donc la Glendale qui est, on va dire, l'ancêtre de la Vorschlaghammer, l'ancienne Benefactor. Donc voilà, une très bonne entrée pour cette nouvelle Benefactor. Surtout regardez sur la VMAX. C'est pour ça qu'on passe de suite au tableau qui comprend les HSW en performance. Alors dans la catégorie berline, ça change pas grand chose, voire même rien du tout, hein, puisqu'on n'a pas de HSW encore en catégorie berline, enfin de HSW amélioration performance. Attention, je répète, parce que elle a l'amélioration de drift. Donc on est toujours 6e évidemment, mais ce qui est bien sur ce tableau là, puisqu'on n'a pas les HSW, on peut quand même se regarder sur ce tableau la VMAX avec le classement de la VMAX. Alors là, je vous mets que les 20 premières. Si vous voulez avoir le tableau entier, vous avez le lien dans la description ou dans les commentaires, le commentaire épinglé. Donc 5e place sur la VMAX pour cette voiture qui est quand même très rapide. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cet essai complet et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et achetez cette voiture, je vous la recommande fortement. A plus, ciao ciao.